Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 11h45 bientôt. Yes, ça tombe. Charlie, elle a fait dodo chez la voisine hier, son amie est là. Puis, Eliott, moi puis Alex, ce matin, on est allé faire des petites commissions. Là, on est allé acheter ce qu'il nous fallait, ben, ce qu'il me fallait pour terminer. Ben, voyons, je parle bien, non? On est allé acheter ce qu'il fallait pour faire mon meal prep de cet après-midi. Mais aussi, on a acheté des légumes pour faire la semaine parce qu'on a comme tout mangé les légumes quasiment qu'on avait acheté à l'épicerie jeudi matin. Au Bug Barn, j'avais besoin de quelques affaires comme pour remplir mes pots dans mon garde-manger. Puis je me suis racheté aussi des trucs que j'avais pas. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté au Bug Barn, dans le fond. J'ai racheté la farine d'épaule comme ça, parce que j'en avais plus. Maman, viens, tu es plus. Ça, c'est du fond de blé. C'est pour acheter dans mes muffins, dans mes galettes déjeuner. Puis tout, ça l'ajoute. Je pense que c'est des fibres. Dans le fond, ça l'ajoute. J'ai acheté du quinoa comme ça, deux couleurs. J'ai acheté aussi du quinoa blanc. Des fois, ça fait beau là, pour alterner. Puis j'ai racheté des dattes aussi pour faire de la purée de dattes à congeler, parce que j'en avais plus. Puis, je me suis racheté une barre de chocolat comme ça, de la marque Valor. C'est le chocolat que je vous parle assez souvent. Ou plus sur Instagram, peut-être je le montre vraiment souvent. Mais c'est du chocolat qui est sucré avec du stevia. Fait que c'est vraiment cool. Puis celui-là, c'est le crème à la truffe. C'est vraiment un de mes préférés. Puis, parlant du sucre aussi, ce que j'ai acheté au Maxi jeudi, j'ai acheté ça ici. Attends un petit peu. Comme ça. Pour faire des desserts. Je sais pas, j'avais-tu compris? J'ai-tu filmé depuis? Ah, j'ai filmé, hein? Ouais. En tout cas, je l'avais peut-être déjà montré, sinon je vais vous le remontrer. C'est ça, je vais remplir mes petits pots maçons comme ça. Puis il y a le son qui n'a pas de pots maçons, quand j'en fasse un. Je vais faire mes pots maçons. Ensuite de ça, on est allé au Walmart. Au Walmart, ben, je me suis acheté des poitrines de poulet que je vais cuire pour mettre dans mes salades cette semaine. J'ai aussi acheté des tourne-dos de dinde. C'est Michel qui m'a parlé de... Ben, pas directement, mais qui m'a parlé sur les groupes de Weight Watchers. C'est des tourne-dos de dinde comme ça, marinés avec bacon, pis tout, là. 4 points pour le tourne-dos. Fait que, on aime ça. À part ça, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des choux de Bruxelles, des cubes de courge pour faire une recette de cuisine futée. J'ai acheté des poivrons, deux concombres, beaucoup de bananes. J'ai acheté ça ici. C'est du riz de chou-fleur, déjà tout coupé. Après de le passer au robot, là. Il est tout déjà coupé. Puis dedans, il y a des carottes, du brocoli, des céleris. Puis il y a une sauce asiatique que moi, je ne mettrai probablement pas. En tout cas, je vais regarder. Là, je pense que c'est 2 points avec la sauce. Mais pas de sauce, c'est 0 point. Fait que... ben, 0 point, c'est sûr qu'il faut quand même l'assaisonner. Puis tu sais, peut-être mettre un peu d'huile. Mais en tout cas. Ça va être un bon dépanneur. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, le meal prep, ça va être dans le fond. Attendez, j'ai tout écrit ça sur mon papier. Je vais me faire une salade de quinoa avec comme plein de légumes dedans. Puis je vais ajouter des cubes de poulet. Après ça, j'ai commencé à faire des bagels. Des fameux bagels. Je serais dû, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je voudrais peut-être faire aussi une batch de frites de patates douces parce que j'aime ça en mettre dans mes salades. C'est aussi froid dans la semaine, c'est vraiment bon. Je veux faire cette recette-là, comme ça. Salade de pâte, thon et courge. Puis après ça, qu'est-ce que je veux faire? Ben c'est ça, je veux faire cuire du poulet avec mes épices épicures italiano, c'est ça? Puis je veux faire cuire aussi les tourne-dos de dinde. C'est correct. Pipi, ben c'est pas mal ça. J'ai déjà fait cuire 6 œufs à la coque. Je vais éplucher et dans un plat pour cette semaine. À la coque. Puis pour la salade de pâtes au thon, dans le fond, je vais prendre ces pâtes-là qui sont des pâtes de pois chiche, de même. Puis c'est pas spécial parce que les seuls points qu'il y a dans cette recette-là, c'est les pâtes. Le reste, c'est tout à zéro. Fait qu'on aime ça. C'est pas mal ça pour le meal prep aujourd'hui. J'avais toujours chose à vous dire. Je pense que non. Là, je pense pas mal ça pour ce matin. Hier, j'ai eu une journée de fou hier, pour vrai. Ça a mal parti. Quand je me suis levée hier matin, j'étais marabout. Puis, j'étais comme, mais non, là, c'était ça, faut que tu. Ouais, une journée de fou. Puis, je me suis dit, ok, Steph, là, faut que tu. Faut que tu te remettes, là. Faut que tu te recraignes. Ça n'a pas de sens d'être poqué. Puis, tout le temps négative de même, là. Fait que. Je me suis levée. J'ai pris mon café,
puis je me suis parlé, puis c'était correct. Fait que j'ai eu une super journée, je me suis entraînée deux fois dans la journée. Tu sais, comme deux trainings différents. Hein? Faire une pipi? Non. Mais viens, on va y faire pipi. Deux trainings différents. En tout cas, j'ai marché 12 000 pas dans ma journée. Oh, non? OK. 12 000 pas. J'ai brûlé 2000 quelques calories. En tout cas, j'ai une journée vraiment débile. Elle est une. Fait que c'est ça. Ma patate. J'espère que. Ma patate. Oui, des patates. Fait que j'espère que la semaine va être à l'image de la journée d'hier. Puis aussi, je voulais dire qu'Eliott, mais Alex sera en vacances jeudi, vendredi. Mais finalement, il a pris lundi, mardi, mercredi. Fait que là, demain, on devrait aller manger au resto. Peut-être au Allô Mon Coco. Maman, non. Puis mardi, on va peut-être aller au parc, parc-en-ciel. Oui, puis chez Louis. Chez Louis, oui. Ils ont de l'argent, ces enfants-là. Ils vont aller manger au resto là, tout le temps. Fait que pas mal ça. Pas mal d'eau. Ouais. Fait que là, je vais aller vider ma carte. Je vais aller vous brancher. Je vais commencer mon petit meal prep. Puis je vais vous tenir au courant de tout ce que je fais dans la journée. Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, meal prep et montage. Parce que j'ai trois vlogs à monter. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que bonne journée. Eliott est vraiment tranquille depuis genre 20 minutes, puis là, je sais, il a dévêté toute ma boîte de pots maçons, puis il a foutu le bordel dans la cuisine, sauf que je suis comme partagée en... J'y enlève tout ça, ou je le laisse faire pendant qu'il me laisse faire mes trucs, tu sais. De toute façon, je pense que la boîte est déjà pas mal défaite, puis qu'il est un petit peu tard pour y enlever, fait que... Vas-y, mon homme, amuse-toi. Bon, fait que là... Je vais faire cuire ça, ils disent de faire revenir ça à la poêle, je vais le faire venir dans du pan, puis de le mettre sur une plaque avec du papier d'aluminium, puis mettre ça au four 20 minutes, puis ça 20 minutes. Voyons, c'est écrit où? 20 à 25 minutes. Fait que je vais faire ça, puis tout de suite après, c'est quoi que je vais faire? Je me lance dans la salade de pâte au thon. De cuisine fumée. J'essaie d'aller au plus simple vu que je te dis avec Eliott, là, Alex est au gym. Fait que quand Alex va arriver, je vais être plus apte à donner une go, je pense. Fait que je vais faire ça. Puis je continue. Bon, fait que là, pendant que ma dinde, mes tambours de bain sont au four, je vais faire des patates douces comme ça. Je vais mettre un blanc d'œuf. Puis je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, là, vraiment pas beaucoup. Puis je vais mettre ça, ce mélange d'épices-là, épicure encore une fois, c'est frites au four et pizza. J'avais ça dans mon calendrier de l'avant, fait que je vais mettre ça un petit peu, j'ai jamais goûté. Puis là, après ça, je fais mes pâtes comme ça, la salade de pâtes de cuisine futée. Sauf que là, il faut deux cannes de thon, puis là, j'en ai juste une, j'étais sûre j'en avais deux. Fait que ce que je pense, ce que je vais faire, c'est que j'ai des sardines. Des conserves de sardines. Fait que je pense que je vais prendre une canne de thon et une canne de sardines. Je pense que ça va être ça. Ok, je pensais que j'avais un auto dans ma cour. Fait que c'est ça, là, Eliott, lui, il s'occupe encore avec la boîte qui n'est plus vraiment une boîte. puis moi, je continue mon meal prep. Ça va bien. Ça avance. Sauf que j'en vais au café bientôt, je pense. Un bon café. Bon, ben, il est 2h15. Alex m'a donné le bain à Eliott. Moi, je continue mes choses. Fait que là, ce que j'ai fait à date, c'est ça ici. Je me suis fait deux plats avec des patates douces, des légumes, puis un tourne-dos. Fait que j'ai deux fois ce plat-là. Ici, la même chose, sauf que ici, je vais mettre du poulet que je suis en train de faire. J'ai la salade de pâte ici au thon et aux courges, mais c'est ça. J'ai une canne de thon avec une canne de sardines. À place de mettre de la roquette, j'ai mis le mélange que j'ai acheté au Maxi. C'est, dans le fond, c'est du kale, du brocoli, du chou rouge. Je ne sais plus c'est quoi. Il y a d'autres choses. Kale, chou rouge, brocoli, puis je ne m'en souviens plus, j'ai un blanc. Puis j'ai ajouté des oignons rouges. La sauce, c'est de la du yogourt grec avec de la moutarde Dijon. Non, pas vrai, de la moutarde à l'ancienne. Puis c'est ça, c'est des parts de pois chiches, comme je vous disais. Là, je suis en train de couper du poulet ici. Je vais couper trois poitrines de poulet en lamière que je vais faire cuire dans mes fameuses épices qui ne feront pas longtemps. Je suis en train de les passer. Puis après ça, je vais faire des bagels. J'aime ça faire deux batchs. Genre une batch au bleuet, puis une batch avec...
mes épices à bagel. Ça va être pas mal ça. Je voulais faire une salade de quinoa, mais je sais pas parce que là, j'ai comme pas mal de vaisselle. Puis mon frigidaire est vraiment plein. Fait que je vais te laisser faire la salade de quinoa cette semaine. Ou la faire peut-être demain. Je sais pas. Puis pour souper, on mange la bavette du Costco. À moins que je fasse du quinoa avec la bavette. Non, je vais faire des carottes avec la bavette. Puis des. Ah. Mais c'est bon. En tout cas, on va voir. Mais pour le moment, ça a l'air de ça. Puis je vais vous montrer les bagels oubliés tantôt. J'ai hâte d'essayer ça. C'est la première fois que j'ai des bagels oubliés. On va voir. Bon, fait que j'ai fini mes bagels. Fait qu'ici, il y en a 6 avec mes épices au sésame. Puis ici, j'ai fait une tentative de bagels au bleuet. Ils sont pas beaux, là, mais ils ont l'air vraiment bons. Puis dessus, j'ai mis comme. J'ai mis ça. Du truffière. Comme ça. Pour donner un petit goût sucré. Peut-être plus faire un espèce de petit dessert. Ou je sais pas. En tout cas. Mais c'est ça, c'est pas super beau. Parce que les bleuets, ils explosent. Puis c'est difficile aussi à donner la forme avec des bleuets. Parce qu'ils écrasent. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il manque un peu de cuisson. Mais je vais y laisser comme ça. Du coup. Ici, ça, là, j'ai fini. On va faire ma vaisselle. Salut! Il est rendu 6h30. Puis, j'ai oublié de vous montrer le souper, mais c'était vraiment bon. Mon Dieu, je suis en train de me. C'est ça, c'est super bon. Puis, c'était la bavette, dans le fond du Costco, avec des légumes puis des frites de patates douces. Puis, c'est délicieux. Charlie est revenue chez son amie. Elle a pris sa douche, elle a mangé. Ce soir, on va être la voix, là, vu qu'il n'y a pas d'école demain. Ben là, on va profiter. Je sais pas si on va être au complet, par exemple. Alex est avec Elliot dans le salon, puis il écoute la musique. Moi, je suis allée m'entraîner. Puis, c'est ça, là, je suis en train de me demander s'il faut que je me lave les cheveux ou pas. Parce que demain matin, on va aller manger au resto. On va aller manger au Allô, mon coco. Ça fait longtemps que je voulais essayer. Puis là, il est ouvert à Drummond, ça fait quelques mois. Puis, ils vont déjà grandir, c'est fou. Puis, tu sais, je sais, j'en ai entendu parler plusieurs fois, puis tout. Puis là, je sais pas qu'on va y manger là. J'allais voir le menu sur internet, puis j'ai envie de faire une assiette qui appelle santé. Genre, c'est un muffin anglais avec du fromage cottage et des légumes. Des fruits. Fait que je pense que je vais m'enligner là-dessus parce que je veux vraiment, 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 vraiment rester focus sur ma pesée de mercredi parce que je veux absolument changer de dizaine. Là, je stagne, puis ça m'énerve. Je perds à coup de 0.5, fait que je suis pas capable de dépasser, de changer de dizaine, mais là, cette semaine, je suis vraiment focus. Je vais aller m'entraîner. L'as-tu dit? Moi, je l'ai dit. M'entraîner. Pis c'est ça. Fait que là, j'allais prendre ma douche. Elliot, lui, ben, il devrait pas se coucher bien tard. Il était fatigué tantôt. Puis dans le meilleur des mondes, ben, je ferai du montage ce soir. J'ai comme 3 vlogs à monter avec celui d'aujourd'hui. Fait que j'aimerais vraiment ça, comme mettre ça en ligne, tout back à back dans les prochains jours pour être plus synchro, là. Parce que en ce moment, je pense que j'ai comme une semaine de retard. Fait que c'est ça. Puis en plus, j'ai oublié de vous brancher. Tantôt, j'ai oublié. J'ai plus de batterie. Fait que c'est vraiment ça pour ma petite journée meal prep. Ce qui est fait avec la meal prep, c'est que on reste debout de l'après-midi, mais on fait pas de pas. Fait que quand j'ai fini mon après-midi de meal prep, ben j'étais juste à 6000 pas. Là. C'est vraiment pas beaucoup comparativement à d'habitude. Puis pourtant, je me suis pas assise, là, pantoute. C'est juste que là, c'est ça, quand tu fais du meal prep, tu fais du sur place. Fait que tu fais pas de pas. Mais là, je suis à 9497 pas. Fait que c'est sûr que je vais l'atteindre. Je vais faire du sur place un peu tantôt, puis je vais marcher pour coucher les enfants et tout. Fait que c'est sûr que je vais atteindre mon objectif de pas. Fait que. Deux en deux, puis je suis bien contente. Fait que c'est pas mal ça là-dessus, je vais dire une bonne soirée, une bonne nuit, puis on va peut-être se parler demain ou mercredi, là. On verra. Fait que salut! Bye!